donc c'est reparti pour une nouvelle présentation de participation reçue. Donc cette participation me vient de Myriam D. D'ailleurs j'ai été super surprise en la recevant parce que elle m'avait contactée tout début mars. Et je l'ai reçue là et je me suis dit, oh, oups, j'avais complètement oublié de noter, donc du coup je savais pas trop. Mais donc j'ai retrouvé. Donc Myriam, je vais t'envoyer un message juste après la vidéo pour te remercier et te dire que c'est bien arrivé, surtout que tu sois rassurée, j'ai juste mis un peu de temps à te retrouver dans mes mails. Et donc on va partir à la découverte de sa création. Donc Myriam qui participe à la catégorie cartes et memory decks. Donc on va commencer par la carte. Donc une superbe carte dans les tons rose fuchsia avec du feuillage, des petites roses, un apron en fond, des enamel dots. Avec le papier, elle a fait une superposition de plusieurs papiers en usant les bords sur un fond blanc. Super joli. Donc je vais lire son petit mot. Donc voilà pour sa carte. Et donc sa memory dex. Donc dans les mêmes tons que la carte, avec toujours les petites fleurs, le feuillage, elle a fait une superposition de papier avec un apron en dessous. Ici pareil, elle a usé les bords de son papier, des petits enamel dots. Et ici pareil, elle est venue glisser un petit papier juste en dessous de ses feuillages. Super joli. Donc bah Myriam, je te remercie beaucoup de ta participation. Je ne pourrais pas te donner ton numéro dans l'immédiat puisque je n'ai pas le numéro. Enfin, j'ai pas pensé à prendre mon petit cahier sur lequel j'ai noté, donc je ne sais plus trop où j'en suis. Du coup, je vais le mettre dans la barre de description, puis je te le renverrai par mail. Et puis bah, je te remercie mille fois pour ta participation qui est juste superbe. C'est exactement les couleurs que j'aime, etc. Donc c'est top. Et puis bah du coup je vais vous souhaiter un bon week-end et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.